Alors level up en 1, c'est pas la tech. Hein. C'est pas la tech quand t'as pas de perso niveau 2. Soit je vais prendre Radiant. J'ai un GP2. Ça en mascotte, ça doit être terriblement terrifiant, non? J'aime bien Warmog. Le Gangan Radiant est pas broken. J'aime trop la Warmog, je la trouve vraiment turbo sulfuro broken. Et on a une Sunfire à côté donc. Sirenek passe 2, c'est autoroute. Bonne chance à mes adversaires. Je crois que c'est juste un snowball into. On verra. Hein. Renekton Warmog Radiant, tour 1. Bonne chance, hein, juste bonne chance en fait. Ce Renekton est immortel dans mon livre. Ouais. Ah, Ginzu. Après, il a pas d'augmente de board. À côté de ça, Ginzu, c'est assez gaze le reste de son board. Tu dis Ricini. Il me faut un Yasuo. Mascotte, Star Guardian, Belvet machin. Aurélien Sol, Belvet aussi. Quoique il a Slam une Sunfire donc peut-être pas. Ok, on veut quoi? Je pense qu'on veut Titan. Ou Stone Plate, un des deux. Je pense ça qu'on veut une Bramble. À moins qu'il y ait beaucoup de spell crit. Je veux Titan en vrai. Le 1 c'est assez broken. Je pense pas avoir envie de faire une Shogin. Atrox, Brawler, Warmog, Gradien. Si c'était une option mais
J'ai pas de Aatrox, donc je vois pas pourquoi je devrais forcer ce genre de tech. C'est trop spécifique pour être forcé, je pense. Ok, ça fait vaille 2. C'est des belles upgrades ça. Oh, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai eu un peu peur, je vous avoue. Première mort du crocodile, c'est vrai. Bah, je vous ai dit, les boards Ginzu, c'est le seul truc qui peut plus ou moins challenge ce crocodile. Autoroute, hein. Alors on va juste prendre le Mordekaiser, je pense. Je pense que je prends celui-là. Et pas l'autre. Quasi tout le temps une augmente héros ici. Et vu mon board, c'est quasi certain que j'allais avoir Mordekaiser. Non, on n'a pas envie de roll. C'est très tentant de roll le Warwick 2 ici et Aurelion 2, mais je pense vraiment que c'est pas nécessaire. On risque d'être bloqué au 8. Alors que là, on a un angle de Fast 9 très fort. Voilà, je crois qu'on va perdre. Ah, quoique. Ah, c'est bon. Pense. On perd contre ça? Je crois pas. Hein. On a de l'anti-heal, on a du shred. Ce Malphite me fait pas si peur que ça. Après, il a Ascension avec un UNUBT et Archange. Potentiellement dangereux. Mais est-ce qu'il aura le temps de proc Ascension? Il le proc, mais.
Est-ce que son board est assez convaincant? Je pense pas. Un miracle d'avoir gardé la win streak là. Je pense qu'on va finir par la perdre. Ça sert à rien de s'y accrocher. Ok, on gagne quand même. Ouais, les boards brawler, les boards brawler Laser Corps, c'est vraiment les boards les plus snowbally du jeu. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui bat ça en termes de snowball. Juste, c'est dur de top 1, genre, il faut avoir ce genre de game pour pouvoir top 1. Je vous ai dit, Warmog Radiant traîne avec ton 2, c'est autoroute. Tu veux buy Vex? Quoi, pourquoi il y a un mec qui fait Vex 3? Oh, je m'en bats les couilles, gros. Je vais attendre un round de plus, je pense. On peut pas faire QSS, on peut faire une Hoge. Ou on peut faire TG. TG avec... Ah, TG, j'aime bien. Hein. Il est sourd, hein. Il est niveau 2. TG avec Geo Lotus, c'est plutôt fort. On pourra le rebuild tôt ou tard. Je me demandais combien de temps il allait s'écouler avant que je perde un round. Pas sur Mord, non, Mord va prendre les items à terme. Juste là il est niveau 1 donc c'est sur Renekton. Mais il va prendre la Warmog Radiant parce que c'est vraiment fort avec ça. Juste pas pour le moment quoi. Il y a le joueur de Belvette pour savoir si je la deny ou pas. Il y a lui mais il est dans la merde non? Ah c'est le mec à 1 HP. Oh. Balek hein. En gros je pense que Warwick prend la Titan, Warmog va sur Mordé et la Sunfire Balek. On la met sur un truc random. Good loss. On remonte l'écho maintenant un petit peu. Ok. Ok donc maintenant on va faire ça. On va vendre le Renek. On le remercie pour ses loyaux services. On va mettre la Titan ici. Warmog là. Et la Sunfire on peut la mettre sur soit Garen soit Riven. Je dirais pour le moment... Pour le moment Riven. Elle bénéficie des deux augmentes. Enfin des deux synergies pardon. Je pense pas qu'on veuille l'Archange sur Mordé. Parce que son augmente fait exactement Archange. Mais justement, ça peut être intéressant d'avoir un archange. Je sais pas, on va voir. Peut-être quand il passe 2. Pour l'instant, je vais garder mon Aurélion Sol, j'aime bien. Ok, bah Gunblade, hein. J'aime encore bien Genzo.
L'admin est cool pour la comp que je joue. Hein. En vrai, l'admin, en gros, ça me donne de la mana à tout le monde. Du coup, pour une Leona, c'est broken. Pour Mordekaiser, c'est broken. Et je vais rentrer plein de légendaires, ça va être très très fort. Dès le début, je pensais à ça. En cliquant là-dessus, je savais que j'allais... De toute façon, je savais qu'avec la Warmog Gradient, j'allais avoir un gros snowball. Et que ça allait être full value après. En vrai, on peut faire deux Warmog sur Mordé. Hein. Y'a vraiment aucune vanne. Hein. Sinon, on peut faire Gunblade. Gunblade, c'est fine. Hein. Gunblade Leona, sinon c'est cool, ouais. Mais je vais la mettre sur Mordé. Comment ça pouvait être aussi close? Je pense que je vais cut les laser corps. Je pense qu'ils ont plus trop d'importance les lasers là. Bon, ça n'ira pas plus loin. City well played. Ah voilà, une bonne game.